Bonsoir, c'est PL Cloutier. Bienvenue à Ottawa. C'est un vlog en collaboration avec Val des Neiges. Je passe le week-end ici avec Jay. Hello! On vient tout juste. On est vraiment en courant d'air. On loge ici à l'incroyable Château Laurier. Tellement beau. Si vous êtes allé à Epcot à Disney, c'est genre ça, inspiré du Château Laurier. Les pavillons qu'ils ont construit là-bas pour le Canada. Et puis, on a fait un petit tour rapido à la chambre. On a des petites surprises. Donc là, je peux rentrer ça dans ma bouche. Ah oui. C'est beau? Un petit gâteau au rhum. C'est ma première fois officiellement que je participe à Bal des Neiges, Winterlude pour les anglophones. Mais quand j'étais un enfant, on venait souvent à Ottawa puis on patinait sur le canal rideau. Fait que j'ai full hâte de faire ça demain. Y a-tu d'autres choses que tu voulais dire, Jay? Non, je pense que ça va. Ah. J'étais tellement excité d'être à Ottawa qu'on est en train de rater le resto. On s'en va là direct à côté de notre hôtel, Metropolitan Brasseries. Avril. Oh, merci. Jay, j'ai une blague pour toi. C'est vrai? C'est avec le trafic qu'on avait pour s'en venir ici. Moi, j'avais vraiment peur qu'on soit tartare. C'est bon, hein? Bon, je pense qu'il a fait un peu trop froid ou il a venté ou quelque chose, là. Il a perdu ses bras. Pas de bras, pas de chocolat. La compétition se passe maintenant. Oh, wow! Ça, c'est hot. C'est genre la petite sirène, un peu. Il s'agit de l'équipe états-unienne Joe Reimer et Victor Dagatan. C'est hot. J'ai un défi pour toi. Vas-y. Il fait genre comme moins 15. Combien faudrait-je te paye pour que tu te mettes du Purell live? Ben, avec le coronavirus, on prend pas de temps. Ah non, tu vas pas le faire pour vrai. C'est ça, tu vas avoir les mains. C'est ça, tu vas avoir les mains gelées. Oh! Oh non! Ok, mais jamais de la vie j'aurais fait ça, c'est l'hypothermie là. Ben non! C'était vraiment un c'est quoi les odds purement théoriques là. Genre, il n'y avait aucune conséquence si tu l'avais pas fait. Ça me dérangeait zéro là. C'est pas chaud chaud! On retourne à l'hôtel, on s'en va se réchauffer. Balle de neige, jour 1. Vous nous le diriez si on était trop intense sur nos kits d'hiver. Viens montrer ton billet dans le miroir. Yes! On est prêt pour le vortex polaire. On vient d'arriver au canal Rideau. Ça va faire un tour de patin et on va se récompenser plus tard avec une queue de castor. Oui, monsieur! Mais quelle belle journée quand même! Il fait très froid. On avait un ressenti de moins 26 ce matin quand on est parti de l'hôtel. Mais avec le soleil, puis on est habillé tellement chaudement, là, c'est quand même pas pire. Je pense que quand on va bouger sur la patinoire, on va être très bien. Fait que là, on s'en va prendre nos patins. Ah oui, je te demandais sur 10 ton niveau de patin. On va dire un bon 6.5. Oh, c'est pas si élevé, ouais. Ça! On est dans la petite cabane, en train de mettre nos patins de location. Puis ma soeur vient nous rejoindre, parce qu'elle habite à Ottawa. Fait qu'on fait genre, on se rencontre pour patiner. Puis je viens juste de l'appeler pour dire qu'on était là. Et elle a répondu au téléphone et drette là. Allô, ma soeur! OK! C'est parti! Hey, moi, je peux pas... Hey, à reculons! C'est 6.5, là. C'est pas 6.5, là. Moi, je peux pas reculer. Wow! Peux-tu? Non! Pas, je suis pas capable. Queue de castor, bonsoir! Vlog update, c'est quand même plus chaud qu'on pensait. On était au soleil tantôt, on prenait un petit chocolat chaud. On avait l'impression d'être au gros soleil, très coco bongo. Puis là, on est rendu au lac Dow. Il y a une compétition très sérieuse de bateaux dragons sur glace. Les équipes sont en place. Ça, c'est les bateaux dragons. Puis, ils ont tout un horaire de compétition. Moi, PJ, on va embarquer dans un des bateaux.
Toi, Jay, as-tu déjà fait ça, du bateau dragon? Jamais. Je sais pas c'est quoi mon karma, mais depuis des années, on dirait que tous les gens qui font du bateau dragon veulent toujours que j'essaye de faire du bateau dragon. Au moins, comme 3 fois par année, je reçois un courriel de quelqu'un qui est genre « Ah, viens participer à notre activité de bateau dragon. » Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe, bateau dragon. OK, mais clairement, eux autres, ils gagnent, là, mais avec full d'avance. Yes! J'ai l'impression d'être en direct du Pôle Nord. Alors, je suis avec l'équipe d'Ottawa. Allô, l'équipe d'Ottawa. On m'a donné le rôle de taper sur le tambour. Ça, je vais pas pire. C'est moi qui donne le beat pour qu'on pagaie tous ensemble. Puis, Jay va s'asseoir dans le milieu et il va essayer de me filmer. Belle et bum. Bon, alors, la course est terminée et l'important, c'est qu'on n'a pas fini les derniers. On était les avant-derniers. Est-ce que tu m'as trouvé bon? Ah, ou... oh, t'étais pas mal bon. Écoute, j'ai tout donné. Ça m'a jam. C'est une carie. On vient de sortir du pub. Je voulais vous montrer notre hôtel le jour. C'est tellement beau. Ouh, vie de château. J'adore. De retour à l'hôtel, on est entré pour se réchauffer un peu et se préparer pour le reste de la soirée avec un bon verre de vin. Puis, il est arrivé un petit accident. Whoopsie. On voit tes petits pieds sur le... le bout du lit. Est-ce que vous avez mon look de balle de neige? J'ai vraiment été all-in sur le look canadiana. J'ai vraiment mis mon ma chemise en carreau en petit minou, puis j'ai ma tuque de laine. C'est parti pour une soirée endiablée à Ottawa. C'est vraiment cool parce qu'ils ont un peu combiné plusieurs festivals en un cette année. Et moi, je savais pas, mais Fierté Ottawa est affiliée avec Balle de neige. Puis, il y a plein d'activités sur la rue Bank. Fait que là, on est sur la rue Bank et on est en route vers le bar de glace. Ouh! Es-tu prêt pour un cocktail glacé? Ah, j'espère qu'il va être chaud le cocktail. Parce que... genre un café Baileys. Ça fait de la buée. C'est ça que ça nous prend. Bar de glace, update. On est avec Cassandra. Cheers! Cheers! Ah, ça réchauffe! Le bar est en glace! Wouh! On s'en va au resto et on nous a suggéré le restaurant Fauna que j'ai hâte de découvrir parce que je suis allé voir sur Google et il y avait full des bonnes reviews, ça fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai pris un drink avec de la mousse dessus! Ce restaurant est délicieux. Je continue avec le morceau de morue. Vincent a pris du porc. Allô, Vincent, t'es encore là. Mais regardez-moi cette beauté. Toi, t'as pris le gâteau au chocolat. Non, le tiramisu chai. Un tiramisu thai. Chai. Chai. Ouais, non, ça va pas. Je pourrais jamais animer l'émission Le Guide Resto Voir. Ou les chefs. Oh, les chefs, c'est sûr que je perds, puis Daniel Vizinam chicane. Propreté, aspirant chef, nettoyez vos postes. On sort du restaurant, c'était délicieux. As-tu aimé ton souper? Incroyable, sérieux, wow. Mais nos jokes, c'est vraiment bon, là. Si vous êtes à Ottawa, allez l'essayer, le Fauna. Cuisine quand même gourmet, là, mais assez haut de gamme, vraiment le fun. Et là, on s'en va au Party Fire and Ice Festival, la discothèque silencieuse. J'ai hâte de voir. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que je vais juste hurler. Je vais danser, je vais vouloir te parler, je vais te crier après. On verra ça. Ah, moi, je suis sur le bleu. Je suis sur bleu, là. Ah, ok, oui. Le beat est meilleur sur le bleu. Hey! T'as une banane dans l'oreille! Quoi? T'as une banane dans l'oreille! J'entends rien! On va-tu chercher un drink? Quoi? On va-tu chercher un drink? J'entends rien! On va-tu chercher un drink? Ah oui! Oui, oui.
moins 21 ressenti de moins 28. Oulala! Dernière journée de balle de neige. On est maintenant traversé à Gatineau au parc Jacques-Cartier. Il y a comme un autre village complet pour faire des activités. Et on a des coupons pour faire la tyrolienne. Ça, ça va réveiller. Ça disait moins 28 ressenti, mais là, j'ai même pas mes gants, puis je ressens pas ça. Fait que je pense que ça va être moins pire qu'hier. On va peut-être même avoir chaud. Je suis prêt pour mon tour tyrolienne. J'ai l'impression... Oh mon Dieu, ça shake en plus, là. Tu le sens-tu? Ça, ça me fait plus peur que la portion tyrolienne, là, c'est monté dans l'espèce d'échafaudage de fou. Ça a l'air de ça. Je vais regarder en avant, ça va moins, mais... Hey, j'aime pas ça, là. J'ai l'impression d'être en train de monter dans la tour Eiffel. Oh mon Dieu, hey, ça me hache pas d'or, on dirait. Hey, faut pas trop regarder en bas, là. Bye! On est avec des enfants de 8 ans. Puis... Personne n'a peur sauf nous. OK. Hein? Jay, déjà parti. OK. Tu as soigné dans le harnais. Ouais. Donne une petite poussée, ça part. Tu vas? Ouais. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que ça en train de tourner? Oh, OK. Salut! Salut! OK! Ah, c'était pas si pire finalement! Oh là là! Bon! Même pas eu peur! Alors, qu'est-ce que t'as pensé de la tyrolienne? C'est génial! Moi, je peux te dire que j'ai vraiment ressenti le facteur éolien. Je pensais que j'allais pleurer des yeux, là. S'il aurait fait un petit peu plus chaud, là, ça aurait été. Ouais. Mais j'avais quand même peur au début, mais c'était le fun. J'ai crié un peu, je pense, mais je suis pas sûr. J'ai-tu crié? Bonne semaine! De retour chez moi, j'ai pris un grand bain chaud en arrivant pour me réchauffer de ce week-end de glacial à Ottawa. Je viens de finir le montage du vlog. Je voulais vous inviter à aller faire un tour aussi au bal de neige. Si ça vous tente, il reste encore un week-end. C'est jusqu'au 17 février. J'étais super content, même s'il faisait froid. J'étais super content de découvrir Ottawa. Je pensais que c'était une ville que je connaissais bien, mais finalement, j'ai découvert plein de quartiers que je connaissais pas. J'ai découvert des bons restos, on s'est amusé, puis c'était vraiment le fun. Il y a plein d'activités gratuites qui restent si ça vous intéresse. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos. Puis j'ai regardé les prévisions météo et annonces pas mal moins froid le week-end prochain. Fait que si vous y allez, je pense que vous allez vous amuser comme des petits fous. Donnez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo et puis restez abonné. OK, salut!